Salut à tous, c'est Narn, de retour dans District 2, et on va aller parler au monsieur qui croit nous avoir battus, mais en fait, on l'a piégé. Ça avance? Waouh, il est très concentré. Où est-ce qu'on peut aller? Du coup, je pense qu'on peut aller discuter avec eux, peut-être? Aujourd'hui, nous gagnerons, chérie. J'en suis sûr. J'espère. Nous n'avons jamais gagné jusqu'à maintenant. C'est juste une question de temps. On va lui péter le cul. Attends. Je suis rentré là-dedans déjà? Non, j'étais pas rentré là-dedans. Souvenir de cauchemar. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est si fascinant. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Pas encore cette chose. Je suis effrayé. C'est moi quand j'étais petit? Oh, j'étais petit! J'étais mignon! Oh! J'avais déjà peur du noir. Oui! Me voilà! Approche-toi! Je vous déteste! Dégagez! J'imagine que je dois m'approcher. Entrez. Il fait trop sombre ici. Je ne peux pas. Je peux. D'accord, ok. Ah, il était dans la porte? Qu'est-ce que. Vas-tu te mettre à pleurer? Tu ne vaux rien. Je vous en prie, allez-vous-en. Ah! Ou alors, est-ce que c'est un jeu, même depuis le départ, qui traite de la dépression? Et donc, il serait dépressif depuis qu'il est tout petit? Même tes camarades d'école ne se moquent de toi. Oh, attends. Tu n'as pas d'amis. Ah! Me nique la gorge avec cette voix. Tes parents ne t'aiment pas. Ils ne veulent pas de toi. Ils t'abandonneront. Maman! Maman! Au secours! Il y a un monsieur bizarre dans la chambre! Oh! Oh, ils sont là! Oh maman! Maman, t'as une moustache, non? Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Maman, elle a une moustache. As-tu fait un mauvais rêve? Je les ai encore entendus chuchoter. Oh, mon petit. Tu n'as pas de raison d'en avoir peur. C'est seulement ton imagination. Mais il y a quelqu'un dans ma chambre, maman. J'ai peur. Il n'y a personne. N'aie pas peur. C'est vrai que je me trompe de voix à chaque fois. J'ai un peu de mal avec ça. Tout semble différent dans le noir. Mais tout est pareil qu'en plein jour. Je suis pas convaincu. Tu devrais retourner au lit, mon petit. Demain est un grand jour. Quel jour, maman? Sois raisonnable. Demain, c'est ton anniversaire. Ouais! C'est demain? Déjà? Youpi! Chut! Papa dort! Ne le réveillons pas! Désolé, maman. Promets-moi, j'ai été gentil, j'aurai mon cadeau, j'espère. Maintenant, retourne au lit, chérie. Ok, maman. J'y vais, tout de suite. Je saute dedans. Bonne nuit, mon chéri. Oh! De retour à la réalité. Quel rêve! Enfant, je faisais souvent des cauchemars. Mes parents étaient toujours là pour moi. Donc je faisais des petites dépressions. Ah, pas le noir, j'ai peur du noir. À quoi ça m'aura servi de faire ça? D'avoir une petite information sur Price. Mais ça ne me fait pas avancer dans le jeu. Le vieux couple. Est-ce que je peux te parler maintenant? Quoi de neuf? Allez-vous-en. Ok, je me casse. Hein. Puisque c'est comme ça. On va retourner voir le mec. T'as fini? Allez, avez-vous réussi à résoudre l'énigme? C'est trop difficile pour moi. Ha! Il m'a suivi de m'y pencher. Une seule fois et ce fut résolu. Donc facile. Encore une fois, tout est facile pour moi. Tiens, prends ça, tu seras stupéfait. Ok, merci. Hop, j'ai trouvé. Maintenant, on va aller voir. Papi, papi, papi. Papi, papi, papi. C'est bon, c'est résolu. Hé, j'ai réussi à résoudre l'énigme. Et j'ai pensé que vous aimeriez peut-être la récupérer. Vous avez réussi, hein? Je n'en suis pas sûr. Avale ta fierté pour une fois!
Oui, oui, mon amour. Alors, ok alors. Voyons ça. Quatrième, à gauche. Cercle et triangle. C'est l'heure de la partie de cartes. Ouais. C'est l'heure, mon chéri. C'est l'heure de quoi? Bah, de la partie de cartes, je pense. Ouais, de jouer aux cartes. C'est évident, attends, s'ils ont une sonnette chez eux comme ça, vous pouvez vous joindre à nous, je suppose. Bien sûr qu'il peut se joindre à nous. Il t'a aidé. Sale ingrat. Ok. Eh ben, à tout de suite. À tout de suite. Papi, mamie. Bien, les règles sont simples. Le gagnant a le droit de sortir. Jouons. Yes, une petite partie de bridge. Hey, comment allez-vous tous? Je me demande si Monsieur Blackwell va encore gagner. Je ne compterai pas là-dessus. Vous serez surpris. Hein? Peu importe, je me sens chanceux aujourd'hui. Ha! Ce n'est pas un jeu de hasard, c'est un jeu d'adresse. Et donc, il n'y a qu'un seul résultat possible. Vous êtes trop confiant, Monsieur Blackwell. Vous ne pouvez pas toujours gagner. L'avenir nous le dira, madame. Toujours la même chose. Nous ne pouvons pas simplement nous entendre. Que le meilleur gagne. Non. Il gagne tout le temps, c'est louche. Tu as raison, mon chéri. Mon cher, plutôt. Mais nous sommes préparés. Hein? Contentons-nous de jouer, d'accord? Nous sommes préparés? Bon alors, montrez-moi vos mains. Je sais pas si c'est bon signe qu'elles soient préparées. Ils vont le tuer? Ils vont l'assassiner, ils vont sauter dessus. Reine de pique. 10 de cœur. Valet de trèfle. 8 de pique. Roi de carreau. Le nouveau est en train de gagner. Monsieur Blackwell a besoin d'un as pour gagner. Pas moyen qu'il sorte ça. Oh, bande d'imbéciles. Regardez-moi. Et... Chung. Ah, hein? Qu'est-ce que c'est? Tu vas te faire défoncer. Monsieur Blackwell. Je le savais. Il triche. Non, c'est juste que... Sale fouine. Vous ne comprenez pas. Je suis si prêt. Vous n'avez pas ce qu'il faut. À ferme. On se calme, s'il vous plaît. À mon avis, ça fait un certain temps qu'ils doivent rouler là-dessus. Je pense qu'ils en ont un peu ras le cul. Mon cher, tu sais quoi faire, hein? Oui, allons-y. Oh oh, je savais qu'ils avaient tout prévu. Non, quoi? Attendez! Bienvenue chez les psychopathes! Oh oh, c'est qui ça? Ok, t'es qui mec? La mouche? C'est la choum? La choum dans la réalité. Oh, Madame Goodwin! Madame Goodwin! Elle est au paradis? J'espère que t'es au paradis. J'ai le frisson! Oh! J'aime bien la pancarte avec le point de sauvegarde. Que vient-il de se passer? Je crois que je viens de faire tuer un homme. Enfin, je viens d'anéantir une âme, plus exactement. Je dois continuer à avancer. Je dois me préoccuper de rien, juste de ma gueule, au-delà de la porte. Ok, d'accord. Était-ce nécessaire? Je ne suis pas certain. C'est un vieux projecteur, il me semble qu'il manque une bobine de fil. J'ai pas tellement... Oh. Oh non, je voulais pas faire ça. Non. Je voulais sauvegarder d'abord. Oh là. Ah, c'est bien fait ça. Ça bouge. Regardez. Oh, ça bouge. Ding, sauvegarder la partie, code cela signifie. Il y a quelque chose par là? Non, l'obscurité. Ok. Allons-y alors, gaiement, à l'intérieur. Voyons voir. En quoi c'était nécessaire qu'il me fasse disparaître le canapé? Ça veut dire quelque chose? Ou est-ce que les canapés sont un moyen de passer d'un univers à l'autre? Je sais pas. Examinez. Qu'est-ce que c'est que cette machine? Bonne question. Oh oh. L'œil de Sauron! Non! Pas l'œil de Sauron! Oh! Oh! Non! 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 Ah! 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 Ah!
Bonjour. Y a quelqu'un? Non, y a personne. Ok, on va par là. Il y avait un symbole identique là sur une autre porte précédemment. Édition du passé. Ok. Ça veut dire quoi? Ah, c'est là. Ça veut dire c'est les symboles de films. Mais oui, je suis con. Des vieux films. C'est un établi pour monter les films. Donc, je dois trouver certainement un film. Attends, c'est une énigme. Qu'est-ce que je dois faire? Shift pour quitter l'énigme. À mon avis, je vais devoir activer. Qu'est-ce qu'il y a ici? Examiner. Je vais simplement le brancher pour voir ce qu'il passe. Ah. Non, alors il faut que je regarde la télé maintenant. Appuyez sur Shift pour quitter l'énigme. Attends, ça c'était mon souvenir. Ah, je dois certainement recoller peut-être mes souvenirs. Ok, je peux rien faire, j'ai pas de bouton, j'ai rien. Pour quitter l'énigme. Ah, moins que ça me montre l'ordre dans lequel je vais devoir peut-être recoller un film. Pourquoi j'ai une porte pour aller sauvegarder ici? Ouh, c'est fermé là. Là, y a rien. Ok, d'accord. Okidoki, donc je pense que je dois trouver des bouts de films. Oh, raison, il me fait peur à chaque fois, Gandalf, là. Pourquoi tu cries à chaque fois? Gandalf! Parle-moi, Gandalf, dis-moi ce que je dois faire, montre-moi la voie. Comment te sens-tu? Confus, je ne sais pas où je suis. Que se passe-t-il, raison? Tu progresses. Je ne ressens pas vraiment cela, j'ai l'impression d'être encore plus perdu. Oui, tu ne peux te rétablir que petit à petit. Tu as vraiment besoin de comprendre les choses. Savoir n'est pas comprendre. Et tu ne pourras comprendre certaines choses que lorsque tu te retrouveras. Lorsque tu retrouveras espoir. Pour la énième fois, parce que espoir, on l'avait retrouvé, ça ne nous a pas plus avancé, hein. J'ai compris, en retrouvant espoir, tous mes problèmes seront résolus. Pas besoin d'être sarcastique. Mais en même temps, tu me répètes ça depuis le début, mon petit gars. T'as pas autre chose à me dire? Rien n'est simple. Mais tu le savais déjà, n'est-ce pas? En fait, le véritable méchant, c'est... raison. Il se cache sous l'apparence d'un gentil, mais en fait, il fait en sorte qu'on s'enfonce de plus en plus dans la folie. Je suis désolé, je ne saisis pas. Tu n'as pas besoin. Pas maintenant. Mais si tu persévères, tu finiras par réaliser et tout comprendre. Je vous remercie pour votre soutien, raison. C'est génial. Je comprends encore moins qu'avant. Sois fort, hein, mon enfant. Ok. Merci, raison, pour avoir fait tomber le film. J'y vais, je vais le chercher. Oh. Je vais le prendre et ce sera probablement utile. Comme tout ce qui tombe du ciel. Et oui. Des trucs bizarres. Pourquoi ça fait ça ici? Je peux pas allumer la lumière? Je vais allumer la lumière parce qu'à chaque fois que je viens ici, ça fait... Non? Oh. Bon, bah en fait, on peut pas mourir, hein. Dans le jeu. J'ai pas l'impression. Bon, bah on va rentrer. On va aller poser le film sur le petit truc. Bobine de film. Ah! Ça doit être l'établi pour le montage de film. Je veux l'essayer. Cric. C'est ça, il va falloir qu'on recolle les bouts de film. Comment je fais pour ça? Non. Ok, d'accord. Ok. Non. Non, je veux pas ça. Je veux examiner. Voyez voir. Réfléchissons. D'abord, donc ça c'est en deux. Ok. Reviens au début. On revient au début. Voilà, les messieurs, la pendule. Ensuite, il y avait la chambre. Ouais, c'est ça, la chambre. On avait Madame Goodwin. Alors, non. Je veux la bobine de film. Remets la bobine. Film. Alors, Madame Goodwin, ici. La pendule, ici. Ça, c'est en dernier. Et ça, c'est... Non, la pendule, c'est en... Ah, quel con. La pendule, c'est en premier. Mais que je suis con.
con. Bordel. Tuc, tuc, tuc et tuc. Tadam. Est-ce que c'est bon? Maintenant, il faut que j'aille jusqu'au... Il y avait un projecteur quelque part. Il est où le projecteur? Projecteur! Ici, bobine de film. Ah, ça fait apparaître. C'est pour ça que ça a disparu, le... Il n'y a aucune image, quelque chose doit manquer. Merde. C'est pour ça que le canapé a disparu, c'est parce que ça va projeter les images là où il y avait le canapé. Ok. Qu'est-ce qui manque? Je me suis planté dans le montage. Pourtant, je pensais que c'était ça. Non, regarde, examinez. On a l'horloge, on a donc la chambre, ça c'est bon, la chaise, et on finit par la chambre rouge. Bah, je me suis pas planté du coup. Attends, on va remettre la bobine. On va revérifier quand même. Des fois que je sois trop con, c'est pas impossible. La chambre rouge là, et la chambre. Bah, c'est bien ça. Je ne suis pas vous. Je ne suis pas vous normalement. À moins ce qui me manque. Une lumière. Ou de l'électricité. J'ai pas vu que je pouvais brancher quoi que ce soit. Yo! Attendez. On va aller au bout. On va sauvegarder comme ça. Ce sera fait. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Non, il n'y a rien ici. Dans la porte, peut-être. Attendez, non, là c'est pas ça. Entrée. Ah là, bobine de film. Examinez, qu'est-ce que c'est que cette machine? Peut-être que je mets la bobine. Je me demande si cela conviendrait. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Un interlude comme dans le premier avec les frères. Les frères psychopathes. Hey! Très joli ton bar. J'aime beaucoup la tache de sang derrière. C'est charmant comme tout. Attends. Bobine de film m'en parlait. Bonjour cher monsieur. Hey, comment allez-vous monsieur? Pas trop mal. Qui êtes-vous? Oh, je suis Réconfort. Réconfort, hein? Alors, qu'est-ce que vous avez pour moi? Oh, cette fois je vous offre une bouteille de vieux scotch. Mais ne la battez pas comme un cow-boy. Savourez-le. Eh bien, je peux apprécier un scotch de qualité. Mais la dernière fois que j'en ai eu, ça s'est mal terminé. J'avais la tête dans les toilettes. Oh, mais je dois vous offrir un peu de réconfort. Nous n'avons plus de café, mais nous avons quelque chose de plus fort. Dans ce cas, whisky. Ok. Vas-y, balance. Bien, bien. Nous en avons. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne pense pas que ce soit une grande aide. Ah, mais moi, j'ai besoin de vous réconforter. Juste un peu. Non, merci, ça va, je vais bien. Je passe. Oh, buvez juste un coup. Merde. Eh, c'est pas... C'était raté. What? Qu'est-ce que c'est que ça? What? C'était raté? Pourquoi c'était raté? T'as voulu casser la bouteille pour le faire partir ou... What? Cul de bouteille. Ah, c'est ça, il va falloir que je mette le cul de bouteille sur le projecteur pour pouvoir avoir le truc qui se projette sur le fond du mur et... Ok, d'accord. Doki doki. Facile. Non, pas là, je veux pas aller là, je veux aller là. Ici! Ok, cool. Réconfort ne m'a pas réconforté. Je suis désolé, mon petit réconfort, mais cul de bouteille. Oui! Voilà. Qui aurait pensé? Certainement pas moi. Le fond de la bouteille de whisky peut servir de lentille. C'est à ça que t'as pensé en cassant la bouteille ou c'était pour faire fuir l'autre? C'est pas clair. Allez, c'est parti. Projection. Tous les souvenirs de ma vie. L'horloge, par contre. Parce que c'est l'horloge. La chambre rouge. Allons-y, gaiement. J'imagine. Bonjour, messieurs, dames. Agonie. Oh, oh. Oh, oh. Agonie va venir me parler.
Je suis jugé. Hé hey, qui êtes-vous? Hé hey, m'entendez-vous? C'est lui, Agonie, avec les yeux de mouche, là? Eh ben putain. C'est inattendu, n'est-ce pas? Ah, la bouche, là. Que puis-je faire pour toi? Ah, la langue, ah. Ça? Ah. Non, éloigne-toi. Qui êtes-vous? Oh! Tu ne le sais pas, mais c'est Agonie qui nous a déjà parlé. Et pourtant, c'est toi qui es venu me voir. Je vais pas faire la grosse voix parce que là, j'ai la gorge qui est complètement niquée. Dis-moi, que cherches-tu? Qui cherches-tu? Je cherche espoir. Tu sais, le contraire de toi. Ah oui. Dis-moi, est-ce que je ressemble à espoir selon toi? Non, tu ressembles à une grosse langue collée à l'écran. C'est dégueulasse. Allez, qui êtes-vous? Je suis Agonie. Je suis le feu qui te consume de l'intérieur. Oh. Excusez-moi. Je suis le feu qui t'affaiblit mais qui te fait aussi avancer. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Oh? J'exerce tout mon pouvoir sur toi. Tu me l'as donné. Nous n'avons pas besoin de faire ça maintenant. Aide-toi toi-même. Pars et trouve espoir. Oublie-moi. Non! Je ne partirai pas avant de vous avoir vaincu. Après tout, tu en as peut-être la capacité. Mais peut-être qu'Agonie veut t'aider, finalement. Tu as choisi la souffrance. Oh, oh là. Non! Mes yeux! Non! Je dépéris! Oh! Berk. Il est fini, chapitre 1. Ah ouais. Succès déverrouillé. Chapter 1, finish. Ouh. La lumière au fond du tunnel. De la fin du tunnel. Je me demande à propos de quoi ça parle exactement le jeu. Si c'est juste parler de la dépression tout au long de sa vie, ou si c'est aussi parler de combattre ses propres angoisses. Pas forcément la dépression. Un toutou! Ok, où suis-je maintenant? Bah, je suis revenu dans le royaume d'espoir. Je suis avec le toutou. Hé, n'es-tu pas la chienne de Monsieur Taylor? Brave fille. Oh oui, fais waf waf comme ça. Et malheureusement, je vais m'arrêter sur cette joyeuse note. Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner et me laisser un commentaire. Ciao.